Bientôt une quatrième dose, possibilité, dit Olivier Véran. Alors justement, le corollaire, c'est ça. C'est si ce scénario se profile, la quatrième dose, à mon sens, sera caduque. L'autre question qu'il faut se poser par rapport à cette quatrième dose, moi, j'ai pas de problème. En fait, je crois que personne, personne sur, le, sur ce studio sait combien de doses il a eu et compte les doses qu'il a reçues pour le, pour le vaccin de la grippe ou un touriste voyageur contre la typhoïde, il se dit pas, j'ai reçu 10 doses, je peux pas voyager. Donc une vous pensez fois. que les, les Français euh, accepterait tous les trimestres d'aller euh, se faire piquer Alors, justement, nécessaire. je pense que tous les trimestres, d'abord, c'est extrêmement dur, indépendamment, même si les Français voulaient, c'est extrêmement la 7K1, dur. Maintenant, 3 mois, la maintenant, c'est trois mois. C'est extrêmement dur logistiquement. Parce que vous avez vu ce qui s'est passé entre la deuxième et la troisième dose. On a fermé tous les vaccinodromes et mmh. on a dit, bah, en fin de compte, ce n'était pas la bonne idée. Très clairement, ce qu'il faudra, c'est, euh, peu importe ce qui se profile avec Omicron, c'est un vaccin 2.0. Qu'est-ce que ça veut dire C'est-à-dire un vaccin ARN messager adapté sur le variant Omicron. Pourquoi Parce qu'on sait, et on le savait avec la, la, la souche originale dite sud-africaine, que si on a un vaccin adapté, on a beaucoup plus d'immunité et probablement une immunité plus durable. Et l'autre question qui reste en suspens, parce qu'on est tributaire de, de, de notre genèse récente de cette vaccination et de l'épidémie, c'est savoir si les vaccins dits en protéines recombinantes, comme le Novavac, comme le futur Sanofi, dont on ne voit pas pour l'instant pas la couleur, peuvent permettre de stimuler plus durablement ce qu'on appelle l'immunité mémoire et donc d'espacer les rappels. Dernière question sur la, la vaccination, et puis après on va, on va passer aux, aux mesures plus concrètes. Euh, euh, le problème qu'on a aussi, c'est ce qu'on fait à l'échelle de la France. Très bien, vaccinons 100% des Français, euh, convainquons les derniers réticents, vaccinons aussi les enfants, même les, les plus jeunes. Mais ce variant Omicron, d'où vient-il D'Afrique du Sud. C'est le deuxième variant qui vient d'Afrique du Sud, dans une population très peu vaccinée. À l'échelle mondiale, d'autres variants vont arriver, même si nous, nous sommes vaccinés. Benjamin Davidot. Vous avez absolument raison. Euh, C'est-à-dire que cette stratégie, elle ne peut être que globale. C'est la définition d'une pandémie. Ce n'est pas un mal français. Euh, ça n'empêche pas que euh, si on arrive à avoir une espèce d'immunité collective, eh bien, on sera théoriquement protégé, y compris contre certains variants. C'est d'ailleurs un petit peu ce qui se passe en Inde avec une situation tragique puisqu'il y a eu des milliers de morts et des gens qui ont été jetés dans le Gange dans cette vague catastrophique avec plus de 400 000 cas par jour au mois de mai avec le variant Delta. Donc évidemment, ce n'est pas ce qu'on souhaite ni en Europe ni dans les autres pays riches. Mais très probablement, la prochaine étape, vous avez raison, et typiquement, si on a un vaccin 2.0, il faudra donner nos vaccins de première génération à tous ces pays. Je pense notamment au Sénégal, moins de 10% de la population vaccinée à la Russie, 30% de vaccination, plus de 1000 morts par jour il y a quelques semaines. Il y a probablement un variant russe qui nous échappe des radars. Et donc, on ne voit que ce qu'on est capable de screener. Vous savez, cette politique qui avait été discutée de dire on ferme les frontières avec l'Afrique du Sud qui avait voulu nous prévenir justement de l'arrivée imminente de ce variant. Donc, c'est très compliqué.